Le combat de Johnny Hallyday contre la maladie porte-t-il ses fruits? Le rocker de 74 ans doit faire face à un cancer du poumon. Cette semaine, Closer vous révélait qu'il avait été contraint de reporter son départ en vacances en direction Saint-Barth pour suivre une batterie d'examens dans un hôpital parisien pendant 3 jours. Les médecins ont conseillé au chanteur de se reposer afin de récupérer, notamment en raison de la chimiothérapie épuisante qu'il suit. Une chimiothérapie qui aurait toutefois porté ses fruits. Si est en tout cas ce qu'affirme Pure People. Selon des informations recueillies par le site ce samedi 29 juillet, les derniers résultats sont d'ailleurs très encourageants et les séances de chimiothérapie effectuées à Paris depuis son arrivée le 30 mai dernier ont très bien fonctionné. Ses dates de concert avec les Vieilles Canailles auraient par ailleurs boosté son moral. Direction Saint-Barth, Johnny s'est envolé vendredi 28 juillet pour sa résidence secondaire de Saint-Barth en compagnie de sa femme Laetitia, d'Eliette, la grand-mère de Laetitia, et de leur fille Jade et Joy. Si est-il là-bas que, comme chaque année, ils célébreront l'anniversaire des deux cadettes de la fratrie Hallyday, 13 ans pour Jade et 9 ans pour Joy, qui a cette fois-ci soufflé ses bougies à Paris. Loading DJ.